Ce samedi soir, le Sporting Club de Bastia recevait l'AS Saint-Étienne à Furiani. Le spectacle n'était pas au rendez-vous puisque les deux équipes se sont neutralisées 0 à 0. En revanche, une action a bien marqué la rencontre, le coup de pied au visage reçu par le Stéphanois Vincent Pajot. Le milieu de terrain s'effondre à terre et ses coéquipiers se précipitent sur lui pour éviter qu'il n'avale sa langue. Coup de froid dans le stade. Nicolas Saint-Ruf, l'auteur bien malheureux de ce dégagement raté, est logiquement expulsé alors que Pajot est transporté sur civière direction l'hôpital. Le lendemain matin, il confie au micro de France Bleu Saint-Étienne-Loire ne pas avoir dormi de la nuit et avoir mal à la tête avant d'ajouter « Je n'ai aucun souvenir du match, pas même de l'échauffement ». Plus de peur que de mal finalement. Nicolas Saint-Ruf, très préoccupé par l'état de santé de Pajot, a présenté ses excuses en zone mixte. « On ne joue pas au foot pour faire ce genre de faute. J'espère qu'il va récupérer de cette blessure et qu'il n'aura pas de problème par la suite. » Fair play.